Basket au pied, casquette de coach, championnat du monde en ligne de mire, il y a du sport dans l'air. C'est vraiment intensif, c'est vraiment un marathon. C'est dur psychologiquement, physiquement, parce que le matin, il faut se lever alors qu'on a l'impression qu'on vient juste de se coucher. Des 15, 16, 17, 18 heures par jour, c'est dur. Tous les jours, 7 jours sur 7. Entraînement intensif, régime alimentaire, sophrologie pour gérer le stress, un quotidien de sportif de haut niveau pour trois chocolatiers stéphanois et leur coach Jean-Jacques Borne. Un seul objectif, le mondial de la pâtisserie à Milan à la fin du mois. Soit ta fleur, elle est trop fermée, soit elle est trop ouverte. En chocolat, sucre et pastillage, en 7h30 le jour J, trois œuvres à créer, mais aussi des pièces de dégustation, bonbons ou entremets, le tout sur un thème, chocolat et café. Non, là, les textures sont bien, ça c'est top. Donc, faut rien changer. Maintenant, il reste 3 semaines. On refait. On bouge rien, au gramme près et tout. Et on refait pour que les yeux fermés, on nous met un bandeau sur les yeux, on est capable de le refaire. 10 mois à ne plus compter son temps, à dépenser de l'argent, autour de 40 000 euros de matériel et matières premières. Des emprunts pour certains, le prix peut-être de la reconnaissance. Dès qu'on a eu des professeurs qui ont été meilleurs ouvriers de France ou champions du monde de la pâtisserie, à une période, on les a regardés avec des grands yeux. Maintenant, on veut un peu leur ressembler aussi, c'est normal. C'est un aboutissement de carrière, quoi. Pour ma part, c'est un peu peut-être une revanche par rapport à notre parcours, parce qu'on est attaqué par des CAP. On se rend compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, le côté manuel, il va être mis sous les lumières. Donc c'est bien, on en sort plus grand, quoi. Et pensez que le coach, bénévole, chef de l'Institut de l'excellence culinaire à Saint-Étienne, sacré meilleur ouvrier de France, n'a plus rien à prouver, eh bien on se trompe. Je fais des tests avec eux et ça me permet de rester à un niveau que si j'avais pas ces concours, j'aurais peut-être pas. Et j'ai encore à apprendre, je suis un passionné et justement, grâce à eux aussi, j'apprends. Besogneux, audacieux, originaux et ambitieux, les Stéphanois avouent ne viser qu'une seule place face à leurs 21 concurrents, la première.